Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rasage. Aujourd'hui, comme j'ai dit la semaine dernière, vous m'avez vu utiliser okay, le Clar. Je vais présenter un autre produit que je vous ai dit que c'était par Clar. Est-ce que je suis sûr à 100%? Non. Le savon que je vais vous présenter, c'est le Fendrian Soda Citron. Oups. OK. Le Fendrian Soda Citron. OK. C'est pas dans son pot original. Le pot original. OK. L'emballage original était dans la picture d'intro. Pourquoi je pense ça? Je vais vous mettre les ingrédients sur le savon Fendrian. OK. Avec ces ingrédients-là. Okay, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'ingrédients, c'est plutôt complexe. Là, je vais vous montrer. OK. Voici les ingrédients sur le clair. Avec l'exception de l'huile de citron, ce sont les mêmes ingrédients. Quand vous allez sur le site Fendrian, le savon est décrit comme un savon fait en Allemagne, comme le Clar, par une famille, okay, par un artisan familial, comme le Clar. Le savon même, si vous regardez, je vais essayer de prendre, j'ouvrirai le Clar, donnez-moi une seconde. Comme vous pouvez voir, ça c'est le Clar, okay, c'est un pot qui est très très dur. Voici le savon Fendrian, qui est très très dur. À l'œil, personnellement, ils sont la même couleur, c'est la même chose. Senteur. Actuellement, le savon citron, soda citron, est pas très très fort comme senteur. C'est un 4, peut-être un 5. Là. C'est aussi dans la gamme des savons Fendrian. C'est pas des savons qui sont très très forts. J'ai regardé plusieurs revues en ligne, puis tout le monde dit qu'ils sont une déception parce que c'est la senteur. Encore une fois, ok, c'est une chose tout à fait personnelle. C'est le savon que je vais utiliser aujourd'hui. Ok, on va voir la performance. Je vais vous donner une petite seconde, je vais aller rincer ma figure, je vais me préparer, puis je vous reviens tout de suite. OK? Attendez-moi. Bon, OK. Ce que j'ai fait, je me suis mouillé la figure. Puis, comme la semaine dernière, je vais faire la même chose que la semaine dernière. OK? Je mouille un tout petit peu la face du savon. Puis, je vais l'appliquer directement à la figure, comme si c'était un bâton de rasage. Voyez? C'est la même chose que la semaine dernière. Il est aussi facile d'appliquer à la figure. C'est tout ce que ça a pris. Ça ne prend pas plus que ça. Rincer les mains. J'ai les mains très glissantes encore une fois, tout comme avec le Clar. Fendrian ne veut pas confirmer que c'est fait par Clar. Mais la brosse que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la brosse Fendrian. OK? Silver Tip Synthetic. OK, directement, on mousse en figure. Comme vous pouvez voir, c'est super simple à faire mousser. La senteur, c'est pas un... Comme j'ai dit, c'est pas très, très fort comme senteur. La gamme Fendrian.
la gamme Fendrian est de 5 savons différents. Vous avez lui, le soda citron. Vous avez santal lavande, coconut vanille, lime et gingembre. Et le dernier est sans senteur. Mais. Très belle mousse, c'est épais. C'est exactement comme le Clare. Le rasoir que je vais utiliser aujourd'hui, on va rajouter à ça encore un rasoir Fendrian, l'ambassadeur Mark Wenn. Le Mark Wenn est un, vous voyez d'un côté, c'est un peigne ouvert, l'autre c'est à bord fermé. La lame à l'intérieur, toute nouvelle Gillette Wilkinson. Le rasoir est très agressif. OK, fait on va y aller tout doucement. Je vais y aller, je vais commencer avec le peigne ouvert. Que je trouve le peigne ouvert beaucoup plus doux. Aussi, la différence entre le clair, okay, les senteurs sont différentes, ne sont pas très fortes. Le clair, la senteur est beaucoup plus puissante. Le savon clair vient dans un pot de 110 grammes. Alors que le savon Fendrian vient en deux grosseurs, 65 grammes et 135 grammes. Le Clare à 110 grammes est 32-34 $ chez Fendrian, alors que leur savon, celui-là à 135 grammes, est à 25 $. Le 65 grammes est à 12 ou 13 $. Pour un savon de cette qualité-là, pour ceux-là qui sont intéressés par la performance du Clare, qui est un excellent savon, mais y aller à prix un peu plus modique, ça peut être une solution pour vous. Faut vraiment que je prenne mon temps. Je sais pas si vous pouvez voir là, la lame, là, mais il y a beaucoup. C'est dur à voir. Il y a beaucoup d'exposition de lame. Mais ça donne un très très bon rasage. Comme là, le dessous de mon nez, là, serait quasiment bon pour rester le même. C'est un beau rasoir, tout en stainless, mais c'est pas un rasoir pour les débutants. Bon, fin
de la première passe. Une belle première passe. C'est assez près, là. C'est, comparativement aux autres rasoirs que j'ai, c'est assez près. Le problème avec, à cause de l'exposition de la lame, là, vous sentez la lame, là. Vous sentez, la sentez beaucoup. Fait que ce que je vais faire, je vais me rincer la figure, puis on va revenir pour la deuxième passe. OK? Donne-moi une seconde. Figure rincée, on va y aller avec la deuxième application de savon. Comme je l'ai dit, c'est pas un savon qui est super fragrant. C'est une bonne chose, je pense. C'est juste assez pour dire que oui, il y a une différence dans le savon. Vous ne sentez pas la base de savon. J'aime pas les savons nature. C'est ordinaire. Il y a juste une toute petite odeur. Puis c'est une bonne chose parce que en bout de ligne, là, vous pouvez faire matcher ça avec à peu près n'importe quel après-rasage. Hein? Regardez, deuxième passe. Hein? Dans l'épaisseur de savon, peut-être un petit peu sec, là, mais... on ira beaucoup plus humide en troisième passe. OK, pour la deuxième passe, je vais utiliser le peigne fermé. La barre pleine. On va aller contre le sens du poil. Je viens de me couper déjà. Pourtant, je pense que je vais retourner avec le peigne ouvert. Le peigne ouvert est vraiment plus doux. Pour ceux-là qui ont un rasoir, c'est dur à montrer, hein, mais vous voyez que la lame, la tête n'est pas assise de la même manière dans la base plate. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Non, je ne suis pas capable de vous le montrer comme il faut. Il y a un plus gros angle, je trouve, dans l'angle. L'angle penche beaucoup plus du côté du peigne ouvert que... non, c'est pas vrai. L'angle penche plus du côté de la barre que du peigne ouvert. Comme le chlore, le savon donne une très belle glisse. Bon, fin de la deuxième, c'est vraiment, je suis vraiment content du rasage. Mais, on va aller pareil avec une troisième passe, ça va donner, ici dans le cou, là, j'ai un petit peu, quoi qu'il reste, là, fait qu'on va en prendre soin. Fait que je vais aller mouiller la figure, puis je vais revenir pour la troisième passe. Ce coup-là, on va mouiller le savon, on va lui donner le plus de glisse possible, OK? Fait que donnez-moi une seconde, je vais revenir. OK, j'ai la figure très mouillée. Les brosses Penryan, ce sont des brosses
qui ont beaucoup de backbone, OK, pour des synthétiques. Si vous les comparez au Razor Rock, si vous cherchez une brosse synthétique qui a plus de backbone, allez, je vous recommande d'aller voir Fendrian. Je vais mettre un tout petit peu d'eau dedans. On va essayer d'humidifier ça comme il faut. Les brossons, même s'ils ont beaucoup de backbone, très très douces, sont très plaisantes à utiliser. En plus, sont très très belles. Si vous regardez le manche, là, le faux corne, la fausse corne, ben, hein? Encore plein de savon, encore une fois. Le savon, ok, donne. Savon est très facile à charger, surtout en frottant comme ça contre votre figure. Fait que je vais aller passer à rebousse-poil. Le problème vient ici, pour moi, j'ai un pli là, en dessous du menton. Là, à cause de l'exposition de la lame. Là. Hein? Comme je l'ai dit, hein, je me suis coupé un petit peu, là, encore une fois. Pas grave, le bloc dans l'un. Bloc dans l'un va prendre soin de ça. C'est un rasoir qui donne une coupe de très très près. Même si le peigne ouvert est plus doux que la barre. Puis c'est pas un rasoir dans lequel vous voulez mettre une lame trop coupante parce que très très près. Est-ce que c'est le rasage le plus confortable? Non, le rasoir, des fois, à cause de l'exposition de la lame, là, c'est un petit peu... ça donne pas tout le confort que je voudrais que ça me donne. Mais ce que je vais faire, là, je vais aller me rincer à la face, je vais aller faire le bloc d'alun, puis je vous reviens pour la conclusion. Donnez-moi une seconde. Bon. Et c'est fait. OK. Un petit peu d'irritation, ok, ouais. C'était pas mal à s'en douter, mais un petit peu ici là, puis ici là, mais c'est comme ça que c'est. À cause que le savon, j'ai pas vraiment de quoi qui va avec. Je pense pas qu'il y a personne qui a un après-rosage qui sent le saut de citron. Ce que je vais utiliser le Mont-Saint-Michel, l'original. C'est pas vraiment les... C'est citronné, ok? Puis c'est pas mal ce que j'ai envie d'avoir aujourd'hui. De quoi?
au citron. C'est un beau citron qui est... C'est un beau citron frais. Puis la bergamote dans l'original me donne pas mal ce que je veux. Hein? Mettre le bouchon, comme ça, on ne l'échappe pas. Fait que ça complète le rasage pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié en venant le savon qu'on a utilisé aujourd'hui. Okay, le Fendrian Soda Citron. C'est un beau savon, okay, comme je suspecte. Ma suspicion, c'est que ce savon-là, c'est un savon fait par Clair pour Fendrian. Très belle qualité. OK, la performance du savon là, est hors pair, c'est numéro 1. Le prix est bon pour la qualité du savon. OK, je recommande. Le rasoir que j'ai utilisé, le Fendrian Mark 1. Comme vous avez pu voir, j'ai utilisé le peigne ouvert et non pas la barre. OK, il est beaucoup plus agressif sur la barre que le peigne ouvert. La brosse Fendrian. OK. Synthétique, Silver Tip. Très belle brosse. Si vous cherchez des brosses synthétiques avec du backbone, c'est des brosses que je recommande. Ils ne sont pas très chères non plus. Quinzaine de dollars. Et l'après-rasage, Mont Saint-Michel, l'original. Belle senteur fraîche. Les notes là-dessus, ça dit notes de musc et de bergamote. Bon. Je sens plus la bergamote que le musc. Très belle senteur, c'est rafraîchissant. J'espère que vous avez apprécié. Avec ça, je vous souhaite beau rasage, une excellente semaine. Puis on va se revoir en fin de semaine prochaine avec un savon totalement différent. J'ai encore aucune idée c'est quoi que ça va être. J'espère vous revoir la semaine prochaine pour cette vidéo-là. OK, guys, passez une belle semaine. Bye-bye.